Bonjour mon frère Thierry Mboli. Merci de m'avoir posé la question. Je pense que la politique en RDC n'est pas confuse. Le président est le garant de la nation, donc il peut jouir de ses attributions quand les choses ne sont pas normales, et surtout qu'il agirait devant Dieu et devant toute la nation et de combattre la corruption. Donc moi, je pense qu'il peut aussi faire de la jurisprudence, de suspendre tout ce que nous avons vu, les élections des sénateurs et puis les élections aussi des gouverneurs. Donc il a plein de droits de faire ça. Donc je ne vois pas le problème et je ne pense pas que la politique de la RDC va poser des problèmes. Merci beaucoup. Oui, pour la deuxième question, pour savoir qui a voté le candidat de l'IDPS et qui n'a pas voté, mon frère, comme j'ai suivi le président de la République, il a dit que la Cour constitutionnelle va faire les enquêtes et pour savoir les corrupteurs et les corrompus. Et je pense que nos magistrats sont des compétents et puis la Cour suprême... Et les magistrats sont vraiment des compétents. Donc, tout ce qui est là, tant Bassara Moussa en Abango, je pense que la situation en AP, la Kisabiso dans les brefs délais, et qui étaient corrompus et qui ne l'étaient pas. Et quand il y a RDC Congo, et surtout même sur le plan international, et Zala qui est un premier parti politique au Babanda qui exil dans l'époque de Mobutu. Donc, Bazali partout dans le monde. Donc, ce qui est là, Bazota là, bas réfugiés politiques et Bangonios, la plupart, bas membres, il y a IDPS. Alors, pour pourquoi ça IDPS est là et ça facilité, il suffit qu'il va prendre conscience na Bango. Je pense que coalition, il y a FCC, cash aux en importance parce que cash. IDPS et Zali, parti politique Moko Oyo, même Bissot Ozagi Banamike. Et nous avons appris beaucoup de choses sur le Kondo, ce qu'on appelle Kondo, papa Etienne Tshisekedi. Donc, Azamut Oya Bandai qui a résisté au Bunda. Et aujourd'hui, ceux qui pouvaient recueillir dans ma boucle, il y a IDPS. Moi, je ne pense pas que Bakoki Kotika en facilement. Tu vois, il y a aligné dans. Pouvoir moko bien batu moko oyo bako zalawana pona kotila bango bakroka jambe. Je pense que les coalitions va se tenir bientôt et aussi la nango kalamingite tozala toujours natan et tout le monde a que kalamingite vraiment coalitionné et aussi là parce que il dépasse son intérêt il y a qu'on concevoir pouvoir na bango. La coalition Cash et FCC, vraiment, voyez-vous qu'ils sont en train de se tirer déjà des ficelles. Hein? Donc, je ne pense pas que la coalition Moko et Koumela, donc Koumela Penzate, parce que chacun a sa façon d'appréhender les choses. Les FCC veulent contenir toujours, maintenir le pouvoir, et les Cash aussi, le même, veulent aussi maintenir le pouvoir longtemps. Donc ça ne va pas durer cette coalition. Ils ont été juste pour que ça la remise et repris, c'est ce que moi je pense. Étant qu'analyse politique, je ne pense pas que Eko Oumé là. Parce que Cash a un intérêt, il a gardé le mandat. Et puis il y a la na communauté internationale et nationale que voilà, Babunda qui pour na démocratie et Zalanamboka et en plus les lots Oyo Bazui pouvoir pour Nabango et Zali vraiment important Makasi pour Naba garder pouvoir Wana. Et je pense que vous voyez déjà à partir de la suspension, il y a élection sénatoriale, bon, on dit déjà que
Batu ya Kabila babandi ya kubendana bendana. Et pour vous dire qu'ils sont là pour leurs propres intérêts, alors nous sommes là pour dire à Félix Tshisekedi Tshilombo d'aller l'avant, à continuer toujours parce que la population, la base est derrière lui et derrière ses projets de société pour Namboka et Kendeliboso. Ce que nous voyons aujourd'hui, ils allaient qui juste pour que Kubengana Kabila à Longwa na place. Alors moi je suis sûr et certain que Félix Tshisekedi avec sa coalition va osala tout pour ne pas maintenir le pouvoir pendant longtemps. Parce que c'est ça aussi l'idée à politique, c'est de garder le pouvoir. Alors coalition wana, famille coalition wana, et c'est le mot que vous mettez, au niveau il y a IDPS, parce que vous devez savoir mon frère, l'IDPS est un parti politique Oyo. Ils ont planté dans tous les quatre coins il y a RDC Congo. Et surtout même sur le plan international, Zala qui est un premier parti politique au Babanda qui exilé à l'époque de Mobutu. Donc, Bazali partout dans le monde. Donc, ce qui est là, Bazota là, les réfugiés politiques et Bangonios, la plupart des membres, il y a IDPS. Alors, pour pourquoi ça IDPS est là et ça a facilité, il suffit qu'il va prendre conscience dans Bango. Je pense que coalition il y a FCC cache aux annonces importance de, parce que cache to IDPS et Zali parti politique moko oyo même biso to zaki banamike et nous avons appris beaucoup de choses sur le Kondo ce qu'on appelle Kondo papa Etienne Tshisekedi donc azamut oya bandai ko résister ko bunda et aujourd'hui ceux qui pouvoir recueillir dans maboko ya IDPS. Et moi, je ne pense pas que Bakoki Kotika ango facilement. Tobakoki Kolinga basse à aligner na pouvoir moko bien, batou moko oyo, bako zalawana pour na koti la bango bakroka jambe. Je pense que les coalitions va se tenir bientôt. Et aussi la nango Kalamingite, tous à la toujours Nathan et tout le monde a que Kalamingite vraiment coalitionne et aussi là. Parce que il dépasse son intérêt. Il y a qu'on concevoir pouvoir na bango et puis il y a qu'on kende nango ti na premier mandat puis deuxième mandat et ba vanda vraiment longtemps na katia pouvoir wana pour être ba pesa oyo peuple za nango pour ça. Oui papa, le problème de la Mouka, allez-y retenir que la Mouka a été créée, c'était pour boycotter les élections et puis ouvrir une transition de 2 ans sans Kabila pour organiser des élections crédibles et transparentes. Et la plateforme Wana, c'était de manière informelle que nous aussi nous avons pris part, nous étions les coordonnateurs de la Mouka ici en Afrique du Sud. Donc l'objectif était de boycotter les élections. Alors aujourd'hui, les choses ont changé. Fatshi a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Il est aujourd'hui le président reconnu international, sur le plan international et national. Donc je pense que la Mouka, il faut échanger l'objectif Nango et puis faire changer l'intérêt. Il y a qu'on protéger d'abord Mboka. Moi, je vois que Martin Fayulu allait sensibiliser la population en Europe. Nazomonango, vraiment, ils en avaient importance et belété parce que ça fait aussi partie, il y a une partie à côté Kamboka. Parce que Tozomona, Makambo Bele Oyo, et ça, là, Makan, à niveau international, à niveau Europe, au Bishop africain, tout est baraté. Alors, je vois très mal que les lots. Martin Fayulu comme les représentants, les porte-parole de la Mouka, à Kendo Salaba, concert, bah, campagne, il y a sensibilisation à niveau Europe pour aboutir na Nini. Parce que Toza Awalelo, Makambo a changé à niveau ya Congo, Kabila n'est plus, donc il y a un pouvoir et il y a une opposition, où ils allaient, il y a Félix Tshisekedi, et Sengel n'a biso nyo soto s'aligner. Na sima ya intérêt commun ya mboka soki to moni esika oyo Félix Tshisekedi ezali ko sala mabe à ce moment là na programme ya 100 jours na ende to bandi ko telemela comme opposition
mais kokende ko sala ba campagne ko tambola vraiment nazomo nango c'est très tôt. Eza très tôt na niveau ya la muka et puis ezali vraiment ezoko sala bien te comme on parle des érudits du pays et puis ba leader d'opinion ya mboka il faut ba dirigeant la muka ba se saisir ko tambola na ba pays Europe na ba pays américains ezo sala ba dépenses inutiles. Je peux vous dire que tango Clinton Hillary Clinton a sala qui a zaiko ko revendiquer ba vérité des urnes ayaki na en Afrique te akenda ni en Europe atikali na kati ya Sénat et puis zaiko sala ba déclaration na en kati ya mboka ko talisa ke ba résultat ya Trump ezala ki ya solo te mais au moment où Trump a prêté serment alors ba changer ki niveau ya rosala ba campagne na bango et va changer niveau il y a opposition. C'est ça un peu ce que je peux déclarer, ce que je peux dire na ba dirigeant la Muka entre autres Martin Fayoul. Il faut se saisir et je suis très heureux que cause en réunion, je pense que il fallait ça déjà à partir le 21 le 22 réunion il y a la Muka pour na ko saisir un peu niveau départ il y a ko construire Muka non pour na rebondir ça. Tout basan a place mais pour nous construire Mboka parce que nous devons travailler ensemble longtemps courbé et nous devons nous unir les efforts pour construire la RDC Congo au moni mon frère Congo est commis à un niveau où il faut permettre les sous guerres cotaté ou bah bitumba ou bah guerre ethnique ou bien bah biloko ou bah soulèvement populaire et qu'au salamaté na régime ou yo tozali nango ou koti sikoyo. Et nous devons tous être ensemble pour nous construire Congo, parce que Congo est baby et Congo est koufi pendant longtemps. Vraiment, Martin Fayoulou ou Yazali Kosala, et c'est là qu'il n'engage que lui-même. Et je ne pense pas que tous les dirigeants de la Muka ils sont d'accord. Moi, je suis le coordinateur de la Muka ici en Afrique d'ici. Vraiment, je ne partage pas de même avis que les représentants Martin Fayoulou de ce qu'il est en train de faire là-bas en Europe. Mais chose normale, il faut dirigeant l'ikoloba se saisir bavanda ayo kapé au biso pepe tozali koloba parce que le pouvoir est dans maboko Kabila te pouvoir est dans maboko ya Félix Tshisekedi, c'est lui qui est aussi issu de l'opposition malgré ba corps au basala qui na Kabila, cela n'engage pas les pays ezaki ba corps entre bango et moi je pense que Félix azamutu oyo pe à respecter vraiment ba corté surtout ba cor on est sur les anaba à mon angoisse un intérêt na été je pense qu'à Kobo yango et besoin d'expérience déjà dinga sala qui na Genève alors c'est normal aussi à Kobo y a pe ba cor y a Kabila donc côté on a tous un peu na patience tozonga Martin Fayoula zonga azonga na misicle y a parlement qu'on a que nous sala opposition constitutionnelle à kende ko talisa bana mboka oyo ezali normal à ça là-bas débat moko normal à ça la opposition constitutionnelle à Katiamboka. Voilà ce que je peux dire en bref pour na makambo etali la Muka donc bah plein wana et ça va plein moko et ko construire Mboka et ça va plein moko oyo et c'est une façon aussi de vendre le pays et d'aller montrer aux occidentaux que le pays ça ne va pas. Oh si le pays ça ne va pas, nous sommes des Congolais, nous devons construire, nous devons lutter pour l'intérêt de notre pays et n'est pas l'Occident de lutter pour nous. Voilà pourquoi Mboka na biso a toujours maintenu et a toujours saisi na Mboka Boccident parce que toujours 5 toujours kende ko sala ka recours trop na Boccident toujours que nous sala recours trop. Moi je suis pas d'accord que les lots ba réunion y a ba Congolais et ça toujours en Europe et ça normalité bois au sala ngou même na Centrafrique bois au sala ngou même na Brazzaville même na Katia Congo wana même na Ba Congo na Bandundu et ko sala bien bo mona rapé sika ba place et mabeza li bo bongisa rapé ba nzela n'est pas seulement aller en Europe oyo ba et ça déjà bien construit oyo peuple congolais a ko bénéficier na ngote ba démarche wana vraiment mon frère Thierry Emboli Naza pour yangote et je suis contre de ça et je résiste contre ba démarche inutile au Martin Fayoulou que ça là moi j'appelle ça des démarches inutiles parce que ezoko ekomema intérêt mon côté na mboka ya Congo. Congo na minute to na posa to kenda susu ko yebisa ba américain ba Europe te ce que nous voulons. Nous sommes là tous les Congolais faut vendre ensemble ndenge na kati indépendance ba vandaka ensemble pour na kobongisa mboka. Nous aussi nous devons faire ça. Vraiment mon frère, nous sommes sérieux. Martin Fayoulou atique un peu ce qu'il est en train de faire là. Merci.